Salut. Ça va? C'est avec toi que je parle? Ouais. Depuis quelques semaines, c'est ouais, je reconnais ta photo, c'est toi. Ah ouais? Mais... Bah je sais pas, tu m'avais pas dit. Bah dis quoi? T'étais en fauteuil. Ouais, je suis en fauteuil, ouais, mais... Bah ouais, je suis en fauteuil, ouais. Après, ça change rien, je suis C'est pas ça, c'est que je t'aurais pu le dire et tout, t'as vu? Enfin, ça fait quelques semaines qu'on parle, quand même. Ouais, je sais, mais ça fait quelques semaines qu'on parle, mais bon... Enfin, excuse-moi, mais je suis en fauteuil roulant... J'ai pas forcément envie de... Enfin, ça met une petite barrière, alors du coup, bah j'essaie de tricher un petit peu, quoi. Ok, je comprends, mais juste, voilà, t'aurais dû me le dire, parce que... Je sais pas, ça me dérange un peu. Ça, non. Enfin, on pourra même juste... C'est normal, tu vois, là. Je suis un peu... Voilà, je suis un peu choquée, quoi. On peut juste même discuter un peu, déjà. Enfin, déjà, on se parle... Enfin, on se parle sur le réseau, on peut... Non non, je pense que ça va pas être possible. Ok. Je vais te laisser, hein. Je vais partir, du coup. Ah, carrément, tu... Ouais, ok. Ouais, je pense que sinon, il y a vraiment trop moyen, là. Voilà. Enfin, c'est juste mon handicap qui... Enfin, Franchement, je t'avais vu sur les réseaux, t'étais pas mal et tout. Hein. Juste, voilà, tu m'avais pas trop averti, quoi. Enfin, ouais. Ouais, bon, je vais mettre au courant, tout ça, quoi. Ok. Peu, quoi. Bon. Ben, en fait, on va se quitter comme ça. Moi, je vais aller me servir un petit verre. Ouais. Et puis, en fait, on voulait juste voir comment ils réagissent, les gens, quoi, vis-à-vis des sites et vis-à-vis des rencontres. Et en fait, voilà, je suis mobile, je marche. Je voulais voir comment ils réagissent certains gens. Et puis là, tu nous montres l'exemple type des personnes qui refoulent un petit peu les handicapés. RDV avec une personne qui pensait que j'étais handicapé et puis finalement je lui montre que non et puis voilà, ça se passe un peu comme ça pour le handicapé, on aimerait bien que ça change. Alors quelqu'un qui est handicapé ou pas, ça change rien du tout. Non, mais en fait, ce que je voulais faire, c'est te le dire directement. Parce qu'en fait, j'étais un peu gêné, par message de te le dire. Du coup, je voulais directement. Assieds-toi. Ouais, je voulais directement te le dire en face. Ouais, je t'avouerai que je suis pas trop à l'aise avec les gens qui ont fauteuil roulant. Enfin, c'est vrai? Ouais, ma famille sera pas trop chaud. Par et rapport à que je t'ai pas prévenu ou. Bah, de un, tu m'as pas prévenu. Et ouais. De deux, je suis jamais sortie avec quelqu'un avec un fauteuil roulant. Donc. Ah ouais, ça te gêne vraiment? Ouais, je suis désolée, je pense que. C'est vrai? Je pense que je peux pas rester. Ah ouais? Ouais. Désolé. Attends, juste une chose, je voulais te dire, en fait, je suis pas handicapé. Tu vois, regarde, c'est une expérience sociale, je suis youtubeur. Et en fait, j'ai mon collègue qui filme là. Et on teste justement la réaction des gens parce que je trouve ça inadmissible que tu réagisses comme ça par rapport à une personne, sachant qu'on se parlait super bien, toi et moi, tu vois, de base. Et là, que tu réagisses comme ça, c'est. Ouais, désolé, c'est juste que j'ai un blocage avec ça. Avec les personnes handicapées, du coup. Ouais, voilà. C'est vraiment pas cool. Ah, et si j'aurais été pas handicapé, tout se passerait naturellement. Je pense que tout ça serait bien passé, ouais. Bon, bah, tu sais quoi, bonne continuation à toi en vrai. Merci. Franchement, c'est. Les gars, je suis dégoûté, franchement. L'être humain me dégoûte de plus en plus. Je sais même pas quoi dire, honnêtement, je sais même pas quoi dire, mais. Alex, coupe, parce que je suis vraiment dégoûté là. Je suis dégoûté. Thibaut ? Ouais, c'est ça. Toi, ça va? C'est moi, ouais, salut. Bienvenue. Tu m'avais pas dit que c'était un fauteuil, que t'avais un problème d'électricité. Bah ouais, mais sur les réseaux, tu vois. Enfin, j'évite de trop le mettre dessus. Tu aurais pu me montrer une photo, m'envoyer, enfin, je sais pas. Ouais, enfin bon, de toute façon, t'es là, assis-toi. Ouais, mais franchement, je te dis honnêtement, Thibaut, moi, c'est pas possible, quoi. Pourquoi c'est pas possible? Je peux pas, c'est pas possible. C'est... J'y arrive pas. C'est contre ma volonté, c'est pas possible. Contre ta volonté. Ouais, je suis désolé Thibaut, je vais te laisser. Parce que je suis en fauteuil. C'est ouais, ça le problème. Oui, c'est ça le problème. Je me vois mal me balader avec toi dans la rue, que les gens le regard pesant. C'est lourd quoi. Ah, tu me vois mal te balader avec moi dans la rue. Ouais, du coup, je suis désolé Thibaut. Ok, bah tu sais quoi, c'est, en fait, c'est une expérience sociale, tu vois. Je suis pas du tout en fauteuil et la caméra elle est juste là.
Voilà, et c'est pour dénoncer un peu les gens comme toi, en fait. Tu m'as filouté un petit peu. C'est-à-dire? Non, ça m'a un petit peu surprise, j'étais pas sûre que c'était toi avec le fauteuil. Ah mais ouais, je me l'étais dans le plan. Ouais, sur les, je suis vraiment désolé, sur les photos, je t'ai pas non. dit que j'étais handicapé. Non, non, mais je voulais, ça... En fait, je suis vraiment désolé, je voulais pas trop en parler, tu sais, je voulais préférer oui, que tu viennes sur place, parce que j'avais peur que tu me fasses un faux plan, du coup, si je te dis que j'étais handicapé... Non, mais c'était pas la peine, tu pouvais le dire. Hein. C'est vrai, tu l'aurais pas mal pris? Non. Vraiment? Bah non. Ah, mais ça me touche. Tu sais quoi, ça me touche parce que à chaque fois que j'essaie de faire un rencard avec une fille, dès que j'essaie d'aborder, bah impossible. Je suis handicapé donc c'est compliqué. Mmh. Mais c'est très... Vraiment, genre, ils te disent quoi? Eh ben, la première remarque, c'est au début, oui, ça me dérange pas, etc. et tout. Et quelques temps après, bah, plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Ah oui. Ouais, genre, plus de nouvelles, genre vraiment. Hypocrisie. Hypocrisie, ouais, c'est ça. Pas cool. Mais là, c'est moi qui étais un peu hypocrite parce que je t'ai pas prévenu. Ouais, du c'est coup, ça. Ouais. Après, je comprends. Bah, moi, peut-être je ferais pareil, tu vois. Mais peut-être c'est mieux de le dire direct, comme ça au moins les gens, t'es pas déçu, quoi, ils le savent. Mais je l'ai dit à 2-3 personnes et les 3 personnes sont même pas venues au rendez-vous. Oh non, ouais. C'est pas cool. Ouais. Bon, allez, passons. Maintenant, c'est bon, moi je suis là. Et ça te dérange pas du coup? Non, non. Ah, mais franchement. Bon, par contre, je regarde, moi je sais pas conduire. Hein? Hein? Je suis grave nulle pour pousser le fauteuil. Ah non, y'a pas de soucis, je peux gérer. J'ai les. T'inquiète. T'es arrivé quoi si c'est pas indiscret? Bah, en fait, de base, moi je suis acrobate. Tu sais, je fais des saltos, etc. et tout. Je suis dans l'événementiel. Un jour, j'ai eu un accident en faisant une acrobatie. Et à vie. Oh merde. Mmh. À vie, du coup. À vie, j'ai les deux jambes qui sont. Ouais. Du coup, plus d'acrobatie. Parce que du coup, c'était mon métier, ouais, c'était mon métier. Mais donc là, le seul truc que je peux faire, c'est boire des cafés en terrasse. Mais non, t'es jeune et tout, tu peux faire, tu vois, y a pas. Tu me donnes quel âge? Je suis trop nulle, moi, je sais pas, 25. Putain, tu m'as rajeuni, j'ai bientôt 30. Ah bon? Ouais. T'as quel âge, bon, bah salut. T'as quel âge, toi? 23. Ok, ah ouais, t'es super jeune. Je suis un bébé, ouais. Et tu fais quoi toi du coup? T'es dans... Moi je suis auto-entrepreneur, je suis maquilleuse artistique, du coup c'est pour ça que je peux venir, tu vois, j'ai pu venir là, je reste quelques jours donc... D'accord, c'est-à-dire maquilleuse artistique, tu fais quoi? Bah, c'est-à-dire, en gros, moi je peux maquiller les enfants, je fais beaucoup de mariages, des fois un peu de D'accord. ciné à Toulouse, il y a pas mal d'écoles de ciné. Et c'est toi qui les maquilles et tout là? Bah oui, c'est mon métier. Ah ouais, genre ça veut dire que moi tu pourrais me maquiller et tout ça, mais si tu veux. J'ai toujours voulu être un avatar, tu penses c'est possible? Un avatar, ouais, ça va être long, mais. C'est vrai. En plus, c'est dans Avatar. La douche. Tu sais que dans Avatar, le mec, il est l'acteur principal, il est handicapé aussi dans le truc pour aller. Ah oui, c'est oui, vrai. Oui, eh ben, tu vois. Putain, j'avais pas fait le rapprochement, c'est vrai. Eh ben, check, vas-y, on va partir sur Avatar alors, c'est bon. Jack Sully, c'est ça. En plus, là, c'est. J'ai pas trop une tête de Jack Sully, j'ai plutôt une tête de Harbi Sully, mais c'est pas le temps, on va dire que. C'est Abdel Souli. Moi, j'aime bien, moi, j'aime bien. Ouais. Ça va, ça va. Je voulais vraiment te remercier, tu sais pourquoi? Parce que, en fait, je suis pas du tout handicapé, c'est une petite caméra. Alors, j'ai mon pote, il filme juste là. C'est une caméra cachée. Et en fait, je suis pas du tout handicapé, regarde, je peux marcher. Bon, je vais pas m'afficher un peu devant tout le monde, mais voilà, je suis pas du tout handicapé. Et en gros, attends, je sais, ça peut paraître fou, mais c'est je suis youtubeur en fait, je fais des expériences sociales. Et en fait, j'ai fait plusieurs tests avec des filles, il y a tout le monde qui m'a recalé. Et elles sont venues au rendez-vous, elles sont toutes barrées, t'es la seule qui est restée. Donc franchement, limite, je peux te faire un câlin ou pas? Ah oui, si tu veux. C'est exceptionnel ce qui s'est passé, c'est qu'elle est restée, elle s'est intéressée à moi et tout. Et franchement, c'est remarquable. Serveur, une coupe de champagne pour la demoiselle. Arrête. Non mais ouais, je vais t'inviter à boire un verre parce que là, c'est... Parce que tu voulais pas m'inviter à la base. Si, bien sûr, bien sûr. Je rigole, c'est bon. Mais exceptionnel. Bon, mais je te remercie en tout cas.